Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera une vidéo achat et récup. Donc, il y aura du noz et il y aura des récup cabane à dents et boîte à livres. Mais du coup, maintenant, on va enchaîner par du noz, que je suis très contente. Alors là, c'est un film de guerre en édition collector. C'est août 1984. C'est la mission qui devait mettre un terme à la. À l'Inde guerre mondiale, c'est allé. C'est d'après une histoire vraie. Voilà, plutôt cool. Un bon petit film de guerre en plus qui se rajoute dans ma collection. On enchaîne avec un coffret DVD, c'est Aventure enfant. Alors, c'est Cody et le robot Sapion. Les enquêtes de Jerry et Maya, le mystère de Stellanos. Nostra, le trésor de Wedgemore, Space Warrior, Zip et Zap, Mick est dans tous ses états, les enquêtes de Jerry Maya, le secret de Vondrome, Tom Burr et la carte au trésor, voilà. Voilà. Il y avait les 8 films bien sympas qui se rajoutent dans ma collection. Un bon petit film comédie, c'est par le producteur de Air Bud. C'est Jack et Steven. Voilà, plutôt cool. Une bonne petite comédie. Là, c'est Hawks Call 2. Deux fois plus sexy, plus de filles. Voilà. J'ai le premier que j'avais trouvé à Leclerc il y a quelques années maintenant. Voilà. Une petite animation, c'est Transformers Prime, Orion Pax, c'est la saison 2, volume 1. Voilà, plutôt cool. On enchaîne avec 4 VHS que j'ai trouvé dans une boîte à livres à cabane à dons. Excusez-moi, il y a mes feutres qui décident. On enchaîne avec une VHS que j'ai récupérée à la boîte à livres. C'est avec Sylvester Stallone. C'est Over the Top, c'est le bras de fer. Un très bon film. On enchaîne avec. C'est La guerre des boutons. Plutôt cool. J'ai hâte de le voir. Très beau film. Là, c'est Germinal. Tiens, il y a même Renaud qui joue dedans. Il y a même Gérard Depardieu. Plutôt cool, très bon film. Quand j'ai vu, j'ai pris, j'ai pas hésité une seconde que j'ai récupéré. Un film avec Christian Clavier, Jean Reno, Muriel Robin, Marie-Anne Grenzel, c'est Visiteur 2, c'est Le couloir du temps. C'est un film de Jean-Marie Poiret. Voilà, plutôt cool. Hâte de le voir. Bon, ben maintenant on enchaîne avec de la lecture. Une saga, une biologie que je voulais. Voilà. Que j'ai trouvé à Noz pour 3,99 €. Alors là, c'est épisode 1 PG, révélation d'une révélation. Voilà. Très contente, hâte de le lire. Voilà. Et la suite. Plutôt cool. On enchaîne tout de suite par des romans. Toujours. Un livre de Katmos, c'est La Cité de Feu. Excusez-moi, tout se ramasse la gueule. Voilà. Plutôt cool. L'histoire me plaît vraiment. J'ai hâte de me plonger dedans. Voilà. Très très belle histoire. On enchaîne avec des poches. Alors, un livre. C'est Fées, Sorcières, Diablesses. C'est les plus beaux contes d'hommage à Graparie. Voilà, plutôt cool. Hâte de le lire. Un roman que je suis très contente d'avoir, de le récupérer. C'est Le lecteur du cadavre d'Antonio Garrido aux éditions Livres de Poche.
Voilà, j'ai hâte de le lire. Franchement, j'ai entendu des bons avis. Franchement, j'ai hâte. Un livre d'Henri Lwangvoudrick, Mister Fukanelli. C'est une nouvelle aventure d'Arima Kongji aux éditions J'ai lu. Voilà, j'ai hâte de le lire. Voilà, l'histoire me plaît énormément. Un petit roman. Un livre de poche, bien sûr. C'est Bernard Werber. C'est Le rire de Cyclope aux éditions Livre de poche. Voilà. Plutôt cool. Un livre que j'ai vu sur Vinted et que j'ai récupéré à la cabane à dos, c'est Emmanuel Carrier. C'est L'adversaire aux éditions Folio. Voilà. L'histoire est juste magnifique. Voilà. On enchaîne avec un roman. C'est Patricia Cornwell, c'est Dossier Bâton aux éditions Livre de poche. J'ai hâte de le lire. Voilà. On enchaîne avec Deux Super Pipitanos. C'est un livre nando-ken et brûlant. Voilà. C'est Euro 2001. 2000. Là, il y a un, donc 2000-2001. C'est Guide ultime, c'est le seul qu'il vous faut tout pour savoir sur l'euro. Voilà, très content de l'avoir chopé à nous. Voilà, comme vous le voyez. Voilà. Je vous montre vite fait. Voilà. Un dernier livre que j'ai trouvé à nous, c'est Génération étoilée de. Plutôt cool. Moi et le foot, moi, c'est une grande histoire d'amour, comme vous voyez. Voilà, je vous montre. Voilà. On enchaîne avec des livres. Alors, trois albums que je suis très contente d'avoir. C'est une petite collection. C'est La Belle et la Bête aux éditions Nathan. Voilà, plutôt cool. Pinocchio, toujours aux éditions Nathan. Et là, c'est Cendrillon, toujours aux éditions Nathan. Voilà, plutôt cool. J'ai hâte de le lire. Là, que je suis très contente d'avoir, c'est. Mon premier dictionnaire illustré, je suis très très contente de l'avoir. Quand j'ai vu à Cabanadon, j'ai pris sans hésiter. Voilà, je vous montre juste, voilà, comment ça se présente. C'est plutôt cool. C'est toujours bien d'avoir ça dans sa collection. Et un livre que je suis très très contente d'avoir, c'est ma série préférée de tous les ma série chouchoute que j'ai récupérée. À la boîte à livres, quand j'ai vu, j'ai fait hop hop hop, j'ai pas hésité une seconde. C'est Sexy on the City, c'est le guide officiel. Voilà, regardez-moi cette beauté. Ça, c'est ma série préférée. J'adore cette série. Voilà, j'ai même l'intégrale, mais il faut que je me chope le roman. Voilà, je vous montre juste. Voilà, hâte de lire. Voilà, et on clôture la vidéo avec. Des magazines. Alors là, c'est le nouveau détective. Voilà. Pas en clôture parce que j'ai une pape à vous présenter. Enquête et criminel, numéro 41. Voilà. Le nouveau détective hors série, c'est de l'amour à la mort, il n'y a qu'un pas, crime et passion. 30 histoires folles et brûlantes et cruelles. Voilà. Histoire vraie, faits divers. Voilà. Et on clôture la vidéo avec une pop que je suis très contente d'avoir pour 6,95 €. C'est Wonder Woman 1984. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, je l'adore. Et voilà. Et c'est tout pour cette vidéo achat et récup. Alors, ben, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, si c'est le cas, alors, mettez un pouce bleu et un commentaire et un j'aime. Et à vous abonner si c'est déjà fait.
et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Mais vu que je suis en vacances, alors, attends, mais du coup, moi, j'aurai un peu plus de temps pour faire la vidéo comme je vous ai promis aux collections jeux de société. Mais je vais la faire pendant les vacances parce que vu que j'ai 3 semaines de vacances, et bien, je vais pouvoir en profiter. Et après la vidéo collection jeux de société, je vous ferai ma vidéo collection au CD. Et voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao.